tous, c'est Kémitrax et bienvenue dans Magie Performance numéro 4. Donc pour ce premier tour de magie, j'ai quelques cartes avec des animaux dessus et je vais prendre la carte avec tous les animaux et je vais demander au spectateur de choisir un animal dans sa tête. C'est bon ? Ouais, ok. Donc, il a choisi un animal et je vais prendre chaque carte avec des animaux et je vais lui dire est-ce que son animal est dessus ? D'accord. Non. Donc je place la carte comme ceci face en bas. Ton animal est dessus. Non. Et du coup, je place la carte face en bas et je parie que ton animal, c'était bien la chauve-souris. Eh oui, bien joué. C'était la chauve-souris. Donc, on va refaire le tour de magie avec la petite carte. Donc, tu choisis un animal, n'importe lequel, c'est bon ? C'est bon. Est-ce que ton animal est sur cette carte ? Oui. Donc, je la pose ici. Est-ce que ton animal est sur cette carte ? Oui. Je la pose. Est-ce que ton animal est sur cette carte ? Oui. Est-ce que ton animal est sur cette carte ? Oui. Est-ce que ton animal est sur cette carte ? Oui. Est-ce que ton animal est sur cette carte ? Oui. Est-ce que ton animal est sur cette carte ? Ah non. Et bah du coup, je recouvre comme ceci, face en bas. Est-ce que ton animal est sur cette carte ? Oui. Est-ce que ton animal est sur cette carte ? Non. Du coup, on recouvre comme ceci et je parie que ton animal, c'était la girafe. Oui, c'est bien ça. On va tout de suite au prochain tour de magie. Pour ce tour de magie, on aura donc besoin d'une petite carte et d'une pièce. Voilà. Donc c'est un roi de carreau tout à fait banal avec un petit trou au milieu. Donc c'est pas très banal parce qu'on a vraiment un tout petit trou. Et est-ce que vous pensez que la pièce peut passer à travers ce trou ? Moi je pense pas parce que le trou est vraiment petit. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, il est vraiment tout petit. Donc on va quand même essayer. On referme comme ceci le roi de carreau. On prend la pièce, on passe à l'intérieur. Voilà, nettement, elle est bien à l'intérieur. On pousse comme ceci bien à l'intérieur la pièce. Et juste si on fait 1, 2, 3 comme ceci, elle arrive à passer réellement à l'intérieur. La pièce est bien passée et le trou est vraiment intact. La pièce a réussi à passer à travers le trou alors que le trou est vraiment très petit. On passe ensuite au prochain tour de magie.